Coucou à tous, et aujourd'hui on va travailler les poids. On a fait déjà ça dans les cours. Et pour cette séance, je viens de faire un sac de sable. Je pense que tous les enfants vont savoir qu'est-ce que c'est ça. J'ai mon sac, mais c'est une chaussette, une vieille chaussette de mon mari pleine de riz. Et peut-être que vous pouvez faire pareil, ou peut-être que vous avez quelques peluches à la maison, qu'il y a des petits boules à l'intérieur, quelque chose qui peut tomber sans se casser, bien sûr, et donner pour sentir le poids. Parce qu'on va travailler le poids de la tête, ce premier exercice, et on va imaginer que la tête est pleine de sable aussi. Donc, si on est avec le sable jusqu'ici, on lâche un peu la tête, un peu plus, jusqu'à tout le sable qui va arriver au sommet du crâne. Et oui, c'est pour ça qu'on va travailler avec les sacs et après on fera des autres explorations, des autres expérimentations pour tester tous les poids, d'accord? Donc ça c'est simple, c'est une chaussette et dedans il y a un sac de plastique pour pas faire sortir le riz. Et un peu plein de sable, mais il y a de l'espace pour bouger. Ok? Donc, ça va donner un peu plus de temps pour le faire. Donc, profite bien de cette séance. Et après, vous pouvez le garder pour jouer. Maintenant, on va le faire avec les sacs et la musique. On le met sur la tête et on met les pieds en parallèle et on s'allonge bien vers le ciel. Et chante, et chante, et tous en même temps, et marche avec les sacs sous la tête, et lâche. Sable de la tête qui m'amène au soleil, lâche. Merci beaucoup, musicien. Maintenant, on va faire une autre phrase. C'est la phrase de fin. Et on prend notre parallèle. Je vais vous montrer maintenant, d'accord? Dans chant. Chant, mais tout ça, mais je me coiffe et je lâche. Je me coiffe et je lâche. Prends la tête qui est très lourde et enroule-toi jusqu'aux genoux et plie les genoux, que les genoux émergent jusqu'à ciel.
et balance les bras de côté à côté et balance les poids des bras. Imomi qui transfère les poids entre les deux jambes. Jemi quoi, on va faire un peu plus lent, d'accord? Jemi quoi, fais lâche. On va sentir le poids des bras, le poids de la tête, tous les sables qui arrivent à l'oreille. Avec l'autre main, je me coiffe et je lâche de l'autre côté, pareil. Je vais sentir le poids de la main et tous les sables qui arrivent à l'autre oreille. Prends la tête qui est très lourde. On ne va pas pousser la tête, je la touche, seulement ça. Et je vais m'enrouler jusqu'au genou. Je mets les mains sur les genoux. D'abord, on va regarder notre nombril. Et maintenant, si les pieds sont en parallèle comme ce que sont les genoux, je pense que tout le monde a dit en parallèle. Super. Donc ici, on regarde notre nombril et on va plier les genoux qui sont en parallèle. On peut les voir ici, en face. Même distance qu'il y a entre les pieds, entre les genoux. On plie les genoux, que les genoux, et les yeux jusqu'au ciel. Et maintenant, on balance les bras. De côté à côté, on balance les poids de le bras. Imomi, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est imomi? C'est une personne qui est pleine de bandages, donc il ne peut pas plier les genoux ou bouger les bras parce qu'il est super tendu. Et de là, on va transférer les poids d'un jambe à l'autre. Il faut faire attention de bien faire et garder les parallèles de pied et les parallèles du genou. Et ici, on ne va pas bouger les dos, on ne bouge que les genoux. Mais on regarde notre nombril. Tchiki, 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 tchak. D'accord? Et pour le balancer, on balance les poids et on glisse. On glisse comme si on est sur la glace. On fait le patinage. On glisse avec le poids du bras, vous pouvez changer l'orientation si vous voulez. Et chien, essayez avec moi. Et chien, et chien, et chien, et chien. D'accord? On va faire avec la musique. Je vais la mettre parce qu'elle est ici. On prend bien notre parallèle. La distance, on s'allonge, on ouvre bien la poitrine, notre lumière. Voyage beaucoup et voyage avec les bras immobiles qui traînent.
Très bien, j'espère que vous avez profité beaucoup maintenant. Et je pense que vous pouvez jouer un peu avec notre sac de riz et jouer à mettre de poids. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous pouvez prendre votre frère, soeur, maman, papa, je ne sais pas, qui est à la maison avec vous, pour jouer avec les sacs. Une personne qui va être avec les sacs en suspension, et l'autre personne qui va envoyer les poids, un mouvement qui va se créer. Et après, vous pouvez changer de main. Et quel mouvement arrive? On peut changer de niveau. Mais toujours en faisant attention à ne pas se faire mal. D'accord? Où est-ce que sont les meubles autour moi? Où est-ce que, comment est-ce que c'est le sol? S'il y a des choses par terre? Donc, vous pouvez faire ça à l'extérieur, c'est ce que vous savez. Et j'espère que vous avez profité bien de cette séance et on se voit bientôt. Un gros, énorme bisou. Ciao!